Bah allez, Manon, tu vas avoir la réponse ou pas? Merci. C'est qui, Manon? Ah, mais c'est toi qui as écrit ça. Oh, bah voilà. C'est chou, Manon. Bon, alors, c'est une bonne question. Maintenant, on va peut-être écouter la réponse. C'est pour ça qu'il faut du silence, parce que le son sera très mauvais si vous parlez en même temps. Ah oui, pardon. Oui, donc si j'avais pas eu... C'est pas moi vraiment qui ai choisi de devenir écrivaine. C'est plutôt que ça, voilà, on m'a proposé un jour, on m'a parlé d'un travail comme journaliste à Astrapi, et je voulais devenir secrétaire, j'avais aucune idée en fait de ce que je voulais faire, et j'ai eu de la chance, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il cherchait un journaliste à Astrapi, et je me suis approchée de cette personne qui est en train de parler, je ne les connaissais pas, et je leur ai dit, j'ai entendu que vous cherchiez un journaliste à Astrapi. Et elle m'a dit, oui, mais qu'est-ce que vous savez faire? Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas faire grand-chose, à vrai dire. Voilà, mais et elle est venue, elle m'a fait faire des essais. Et c'est comme ça que je suis devenue journaliste à Astrapi. Et c'est comme ça qu'après, j'ai eu l'idée de créer Max et Lily. Mais si tu veux, je ne m'étais pas dit... je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, en fait, quand j'avais votre âge, même après. Enfin, j'aurais voulu... Oui, j'avais envie d'être médecin, j'avais envie de m'occuper des autres, j'avais envie de voyager, d'être ambassadeur, ambassadrice, enfin, je ne savais pas du tout en fait. J'avais fait des études de secrétariat aussi pour me débrouiller. voilà, donc ce n'est pas facile de trouver ce qu'on veut faire comme métier. Et je pense qu'il faut se servir de tout ce qu'on a eu de négatif dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a un truc dont vous avez souffert, par exemple, quelque chose qui vous a manqué ou quelque chose qui vous a fait honte. Je pense que c'est intéressant de creuser ça. C'est ce que j'ai fait, moi, avec ma famille, qui était quand même assez compliquée. J'ai creusé cette histoire de ma famille qui avait souffert, qui était pas très bien. Et j'en ai fait des bandes dessinées sur la famille. Donc, je pense qu'il faut... Un truc que vous avez, dont vous avez souffert, il faut le creuser, puis en faire un métier, presque. Enfin, se diriger dans cette direction-là. Il faut faire un métier. Mais bon, toi, t'as envie d'être couturière à l'Opéra de Paris. C'est formidable, voilà. Mais est-ce que tu aimes ça? Ouais. Donc c'est bien de savoir. Ou commissaire de police, c'est bien aussi. C'est des bons métiers, il y aura du boulot, je pense. Aux couturières à l'Opéra de Paris, je ne suis pas sûre qu'il y ait énormément de travail. Mais commissaire, oui. Ou policier, ou tout ça, c'est bien. Est-ce qu'il y en a parmi d'autres qui ont encore une question, mais sinon on peut passer au travail sur les émotions. Lui, il a une question. On pourrait commencer avec toi, peut-être. Tu pourrais, pour montrer aux autres de quoi il s'agit, tu peux choisir toi un tableau. Et la creux des trucs, c'était tactile. Attends, mais il a appuyé sur l'écran. Ça filme. Monsieur, vas-y. Question suivante. Vous avez eu une enfance difficile? Un peu, oui. Oui, j'ai l'air d'une enfant gâtée, comme ça, tout ça, d'une vieille mémé gâtée que j'ai été. Mais non, parce qu'avant, au début, j'étais la maman de Max et Lily. Maintenant, je suis plutôt la grand-mère, parce que ça fait 30 ans que je travaille sur ça. Mais maintenant, j'ai des petits-enfants même. Tu vois, j'ai commencé à travailler quand j'avais 30 ans, ou 28 ans. Mais je travaille depuis tellement longtemps que maintenant, je suis grand-mère. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai une enfance difficile, pas dans le sens où... On avait quand même un peu assez d'argent, quoique, plus tellement à la fin. Mais surtout, mes parents étaient divorcés. Mon père, on ne le voyait jamais. J'avais un frère qui était très agressif et qui n'allait pas bien du tout. Et une sœur qui n'allait pas bien du tout non plus, qui était pas bien, triste et tout ça. Et mes parents, ils ne voyaient rien. Mon père était loin et ma mère ne voyait pas grand-chose. Et c'est pour ça que quand j'ai été grande, je me suis dit, il faut s'occuper de ces enfants qui n'arrivent pas à parler et qui n'arrivent pas à dire... pourquoi ils sont tristes, pourquoi ils ont envie de se battre, pourquoi ils ont envie de pourquoi ils font pipi au lit la nuit, pourquoi ils sucent leur pouce jusqu'à 18 ans, pourquoi, tu vois. Il y a des enfants qui ont des besoins qui ne sont pas comblés, quoi. Oui, j'ai une enfance difficile, d'un peu près. Voilà. Mais j'en ai fait quelque chose. C'est ça ce que je veux dire. Il ne faut pas rester les bras croisés. Les problèmes que vous avez eus, il faut les transformer. Je pense que c'est la solution. J'ai une question. La présentation des œuvres. J'ai une question, madame, monsieur. Je ne sais pas si on verra quelque chose. Elle est intelligente, sa question. Très intelligente.